Salut tout le monde, c'est Nick. Vous avez peur d'être attiré par les enfants? Vous avez peur d'avoir abusé votre propre enfant sans vous en souvenir? Des pensées, des images intrusives s'imposent à votre esprit et portent sur des actes ou des impulsions à caractère pédophile? Vous êtes probablement atteint du TOC, de la peur d'être pédophile, une expression de la phobie d'impulsion. Dans cette première vidéo sur le sujet, vous découvrirez que vous n'êtes pas un monstre, mais que vous souffrez plutôt du trouble obsessionnel compulsif. Vous découvrirez surtout qu'il existe des solutions efficaces pour vous libérer de ces peurs, de ces pensées qui vous font tant souffrir. Si vous êtes dans cette situation, c'est pour vous aider que j'ai créé la série de vidéos sur la phobie d'impulsion dont celle-ci fait partie. Puisque j'ai créé un module web vidéo qui explique comment utiliser les meilleures méthodes et les meilleurs exercices pour vous libérer de la phobie d'impulsion, si vous êtes sur YouTube, les liens qui accompagnent cette vidéo vous réfèrent entre autres à ces ressources pour vous permettre d'aller plus loin. Et si vous êtes actuellement sur mon site internet, vous trouverez facilement toutes ces ressources pour vous aider à partir du menu principal. Mais avant d'aller plus loin, écoutez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin. Elle vous aidera et ce que vous apprendrez vous fera sans doute le plus grand bien. Et si vous voulez m'aider à aider, je vous serais vraiment reconnaissant de cliquer j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Cela rendra cette vidéo plus visible et elle aidera davantage de personnes avec ce problème. Vous êtes prêts? Alors, commençons! Le trouble obsessionnel compulsif est encore peu connu, donc mal compris et souvent traité peu efficacement. En conséquence, nombreuses sont les personnes qui en souffrent en silence, sans savoir que ce qu'elles ont n'est pas dangereux, ne signifie rien à leur sujet et qu'elles peuvent en guérir. Quand on parle de TOC, on imagine souvent une personne en train de vérifier si la porte est bien barrée ou une personne en train de se laver les mains compulsivement. Pourtant, il existe aussi une expression de ce trouble relativement courante qui implique des pensées véritablement dérangeantes, horrifiantes pour les personnes qui en souffrent. Certaines de ces pensées intrusives peuvent porter sur la pédophilie et l'inceste. Cette expression du TOC appartient de manière plus générale au TOC de la peur de faire du mal aux autres et de perdre le contrôle, que l'on appelle aussi la fameuse phobie d'impulsion. Comme son nom l'indique, ce TOC se définit par la peur de représenter un risque, un danger pour les enfants en général ou pour ses propres enfants en particulier. Il implique des pensées intrusives qui vous obsèdent et dont les thèmes tournent autour de la peur de faire du mal aux enfants ou d'être attiré sexuellement par eux. Vous avez donc honte et vous ressentez une forte culpabilité du fait d'avoir ces pensées. Pour illustrer cela, voici le témoignage d'une jeune mère qui souffre de ce TOC. Voici ce qu'elle dit. Elle dit: J'appréhende énormément de voir des enfants nus. Un jour, quand j'ai amené ma fille à la crèche, une éducatrice changeait un enfant et j'ai vu le petit garçon en slip. J'ai paniqué et je me suis répété de ne pas regarder. Je me répétais, ne regarde pas, ne regarde surtout pas, c'est un petit garçon, tu ne dois pas regarder, reste avec ta fille. Je ne sais pas pourquoi, mon regard s'est quand même posé sur lui. Je me suis sentie tellement mal et anxieuse, comme si j'étais une mauvaise personne, comme si j'étais dangereuse, que j'étais une pédophile. Alors, comme vous voyez dans ce témoignage, cette jeune mère souffre beaucoup de ces pensées. Et comme son nom l'indique, le trouble obsessionnel compulsif, alors il implique des obsessions et des compulsions. Les obsessions et les compulsions constituent les symptômes principaux du TOC, quelle que soit la forme qu'il emprunte. Voyons de plus près en quoi consistent ces fameux symptômes. Les études en psychologie ont démontré que tout le monde peut avoir, à l'occasion, des pensées intrusives et indésirables. Mais à force de les combattre
parce qu'elles vous dérangent ou vous horrifient et vous font peur, elles deviennent des obsessions. Les obsessions peuvent prendre différentes formes, dont voici plusieurs exemples. Il y a la peur d'avoir des pensées sexuelles envers des enfants ou des adolescents, la peur de faire du mal aux enfants, notamment à travers l'abus sexuel, la peur à l'idée d'avoir envie de relations sexuelles avec des enfants sur le coup de l'impulsion, la peur d'avoir abusé un enfant dans le passé sans s'en souvenir, ce que l'on appelle plus communément dans la phobie d'impulsion la peur d'avoir fait. Il y a la peur de regarder des enfants d'une manière malsaine. Il y a la peur d'agir de manière inappropriée sans pouvoir se contrôler en présence d'enfants, etc. Alors, ce sont des obsessions. Et si vous souffrez du trouble obsessionnel compulsif, vous vivez un haut niveau d'anxiété et d'angoisse lorsque vos obsessions se manifestent. Alors, pour vous soulager de cette souffrance, de cette anxiété, vous adoptez des comportements répétés que l'on nomme compulsions. Voici des exemples de ces compulsions. Alors, vous évitez toutes les situations où vous pourriez vous trouver seul en présence d'enfants. Vous évitez de donner le bain à votre enfant. Vous vous assurez que d'autres adultes sont toujours présents lorsque des enfants sont en votre présence pour qu'ils puissent vous surveiller et éventuellement vous arrêter si vous perdiez le contrôle. Vous vous testez. Par exemple, vous analysez si vous avez des sensations physiques comme ressentir de l'excitation sexuelle en présence d'enfants, etc. Alors, ces exemples sont des compulsions physiques car elles impliquent des gestes, des actions ou des contextes physiques pour diminuer votre anxiété. Mais dans le TOC de la peur d'être pédophile ou incestueux, la majorité des compulsions ne sont pas physique à travers des actions, mais se manifeste surtout dans votre esprit. Ce sont des compulsions mentales. En d'autres termes, si une personne atteinte du TOC de la peur de la contamination répétera des gestes comme le lavage des mains ou le nettoyage, de votre côté, vos comportements ne seront pas visibles aux yeux des autres. Vos compulsions se font mentalement, notamment en analysant vos souvenirs, en essayant de vous rassurer, en vous culpabilisant, etc. Vous vous posez aussi de nombreuses questions. À travers ces questions, vous cherchez à vous rassurer, à vérifier que vous n'êtes pas pédophile, que vous n'êtes pas un monstre. Alors, en effet, les vérifications et le fait de chercher à vous rassurer sont des compulsions très fréquentes dans le TOC. Et ces remises en question bouleversent votre quotidien. D'ailleurs, si vous visionnez des vidéos comme celle-ci pour vous rassurer, sachez qu'il s'agit aussi probablement d'une compulsion. Et les compulsions entretiennent et empirent le problème. Ce n'est donc pas la bonne manière d'améliorer les choses. Le TOC n'est pas grave ni dangereux, mais il peut faire beaucoup souffrir et être handicapant si vous ne le traitez pas. Vous êtes donc mieux de réaliser le meilleur traitement cognitivo-comportemental qui existe pour traiter le TOC. Ce traitement se nomme l'exposition avec prévention de la réponse. Vous pouvez aussi le réaliser évidemment avec un psychologue d'orientation cognitivo-comportemental, mais assurez-vous qu'il est spécialisé dans le traitement du TOC et qu'il connaît bien l'exposition avec prévention de la réponse. Avant de débuter les séances, je vous suggère d'ailleurs de demander s'il ou elle connaît bien aussi ce traitement et peut le réaliser avec vous. Mon programme web vidéo autodirigé intitulé « Libérez-vous du TOC et des obsessions » vous explique aussi comment adapter et appliquer ce traitement à votre situation. Et son module complémentaire intitulé « Libérez-vous de la phobie d'impulsion » vous permet de préciser son utilisation face à ce type spécifique de TOC. Alors, j'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources sur mon site vous aideront comme elles ont déjà aidé un grand nombre de personnes aux prises avec ce type de problème. Vous trouverez sur mon site internet une foule de ressources complémentaires, notamment des articles pour vous aider. Et si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo vous réfère à ces ressources pour y accéder rapidement sur mon site. Je vous invite aussi à cliquer « J'aime » sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer à tout ce que j'y ajouterai par la suite.
Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aidera. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye.